Bonjour, frère Maxime, comment nous c'est GFL Cuisine Créole, Jean-Fédon lundi, votre chef à la maison qui rentre dans la canoë, moi dis nous merci. Merci pour confiance nous, merci pour fidélité nous, et merci parce que nous toujours continuer partager page là pour moi, et bouche à l'oreille là, à marcher là. Moi prends un petit temps pour moi saluer Vadna George, Godess V, et Teddy Clermont. C'est nous-mêmes qui trois premiers nouveaux abonnés sous chaîne moyen payant. Moi dis nous merci. Jodi a la m'pral préparer pour nous un petit gratiné de pommes de terre. Mais façon m'pral faire la napoli, très économique, très simple et puis bien conservé. Surtout, c'est pour nous conserver dans le congélateur. Pour commencer là, même les pommes de terre là, m'kali moi mettre dans de l'eau froide et là même l'autre chose de l'eau froide aussi qu'on a la m'pral blanchir pommes de terre d'abord. Moi prends pommes de terre que m'a fait cube avec. Moi fait cube la grosseur que m'vle. Mais cube moi le mais grosseur cube moi le faire. Qu'on a ma continue faire et puis nous allons après ça ma bintou. Voilà, bien coupé en cube. Qu'on a la m'bral blanchir. Blanchir c'est qui s'allie. C'est fait mettre pommes de terre dans de l'eau fraîche et puis qu'on a quitté pour la chauffer ensemble avec de l'eau et puis dès que l'on est bouilli, on a quitté le fait 3 minutes de bouillon et puis ça va être prêt. C'est ça où les blanchir. Je mettre celle là-dedans, rien d'autre. On nous suit, vous nous, on quitte la ça m'a venu nous. Si nous regardons là, nous allons commencer un petit point ça. On quitte la caméra fixée sur lui là, puis dès que temps pour le contrôler, nous allons montrer nous à partir de quel moment on contrôle le nombre de temps la bouille. Là, nous allons commencer à monter là. À partir de maintenant, nous allons commencer à contrôler 3 minutes. On y a là, nous allons 3 minutes plus tard, moi fais mes fois. Moi vais jeter de l'eau ça. Toute l'eau ça net au complet, moi vais jeter. Même là, il n'est pas cuit au complet, il braque. La question de l'être là, on pas besoin de compter quand tu vas mettre, qu'on va mettre l'être là-dedans, hauteur pomme de terre. Il va y avoir de l'eau là-dedans, là, seulement l'être là. Regardez ce que ça me fait, moi tous les mes fois. Pas les mettre trop fort, mettez la 4,5. Pour quand tu te m'as fait, même venir avec une cuillère de sel, moi mettez là-dedans. 4 tasses de fromage, moi mettez là-dedans. Vous mettez fromage ou bien. Surtout, mon Haïti, au fromage tête de moi, très très bon là-dedans. Après ça, mettez poivre. Voilà. C'est tout. On a l'embrassé. On est là, on a quitté pomme. Nous allons faire pomme de terre cuite là. C'est très important pour de temps en temps pour nous brasser. On va balancer le volume pour ne pas couler en bas. Mes pommes de terre à Noël là, les petits gens collés qu'on a moins fait mes moi. C'est avec pommes de terre ça qu'on a là, on va le faire gratiner de pommes de terre pour nous conserver dans le congélateur nous pour nous manger par unité. Même moule ça là, on va le remplir, hein, son moule qui fait spécialement pour ça, on va besoin de mettre graisse dedans, son bas en plastique lié, il fait pour ça même pour cuisson. Ok, qu'on a là, moi fin fait là. C'est très important lorsque nous avons fait là la bête, c'est le liquide qui était à côté. Le liquide là, c'est lui-même qui va le faire pomme de terre bien collé lorsque nous allons le cuire. Nous allons mettre le four à 350 et nous allons le quitter le cuit pendant au moins 45 minutes. Et puis là, bien coloré. Nous allons mettre le fromage sous lien encore là. Nous allons le bagage. Maintenant là, après 45 minutes, regarde, belle bagaille. Hein? Belle bagaille. Nous allons mettre le goumavel. Dans la joint plastique, ça y est là, le bagage. C'est le bagage qu'on a mal quitté le refroidi. Une fois qu'elle refroidit, qu'on a mal retiré les et puis qu'on a mal monté nous comment pour nous congeler. Qu'on y a là, mais gratiné là bien froid. M'a retiré yo bien bien froid là. Mais yo là, bien beau, bien fait regarde ça. Qu'on a là nous même ça nous fait, n'a mettez dans un petit sac. Et voilà, vous mettez dans le congélateur là, comme ça, vous conservez à fort. Quand on a ça, c'est très important, ça m'a dit noir. Lorsque vous allez manger, vous déposez dans un petit bol, la micro-ondes, 1 minute, 30 secondes. C'est parfait, il n'est pas crasé, tout en dedans, cœur à bien chaud, et puis ça parfait là. Si toutefois, vous n'avez pas gagné un micro-ondes, vous voulez manger dans le four, à ce moment-là, vous allez mettre le four encore à 350 et vous déposez là-dedans. 7 minutes, c'est parfait pour manger à fond. Maintenant,
gratiner aux pommes de terre pour nous conserver. C'est bien beau? C'est bon, non? C'est parfait. Qu'on a nous conservé ce fait nous là pendant le confinement, nous avons mangé la canne. C'était JFL Cuisine Créole. Jean-Fédor lundi, votre chef à la maison, qui est rentré la canne. Merci. Au revoir.